Et bah c'est tout le monde, c'est Alexis. On se retrouve cette fois dans une nouvelle vidéo unboxing. Voilà, donc si vous me suivez encore, je vous dis sur Twitter, vous avez sûrement dû voir un tweet que j'ai mis tout simplement, qui concerne en fait l'achat des écouteurs de OnePlus. Voilà, donc OnePlus Bullet V2, je si je me trompe pas. Enfin voilà, c'est les nouvelles versions par rapport au V1 tout simplement. J'ai regardé quelques vidéos et ils m'ont vraiment emballé. Même quant à leur design, etc. Vraiment, ils m'ont emballé à 100%. Donc très clairement, voilà, je suis très content de cet achat. Je tiens quand même à remercier aussi les deux personnes qui ont acheté un OnePlus avec mon lien. Donc ça m'a fait 200 points de fidélité. Donc j'ai pu avoir 20 euros de carte de fidélité. Enfin, de 20 euros offerts, entre guillemets, par OnePlus. Donc j'ai pu tout simplement m'acheter ces écouteurs pour 6,99€. En fait, juste payer les frais de port. Voilà. J'ai pas payé les écouteurs, juste payé les frais de port, en fait. Car les écouteurs sont à 19,95€, voilà. Donc vous aurez un lien en description pour aller les acheter si vous voulez, tout simplement. Voilà, donc je tiens à les remercier tous les deux parce que au lieu de les payer 27€ et quelques, bah, je les ai payés que 6€. Donc ça fait extrêmement plaisir, voilà, merci. Sans vous, tout simplement, la vidéo ne serait pas pu être là parce que très clairement, ça fait très cher, on va dire 20€ pour des écouteurs. Mais d'après les vidéos que j'ai regardées d'un américain, etc., bah, il envoie du lourd, voilà donc. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing, voilà. Donc voilà, donc c'est bon, je me suis muni d'un couteau, voilà, donc. Alors, on va l'ouvrir. Alors, au niveau des papiers, nous avons bah, la boîte, qui est extrêmement jolie. Donc, venant de OnePlus, ça m'aurait étonné. Enfin, pardon, excusez-moi, d'avoir tapé dans la caméra. Ça m'aurait étonné que ça soit pas aussi beau, très clairement. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom? Voilà, donc, de plus près, ils sont extrêmement beau. La boîte en tout cas donne envie, hein. Donne vraiment envie. Voilà. Alors au niveau des papiers, bah, vous avez le papier de OnePlus, comme d'habitude à l'achat des trucs. Tout simplement, ça donne l'adresse du support, etc. Donc c'est pas très intéressant. Et vous avez par contre un petit manuel entre guillemets, un petit manuel, enfin un petit, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais fascicule, voilà, en anglais si vous voulez lire très clairement, il n'y a pas grand chose à lire là-dedans. Mais voilà, ok. Alors, au niveau des pocs, qu'est-ce qu'il y en a? Alors, la boîte était un peu. Ouais, sur les côtés, bon, ça me paraît normal. Ah, il y a un petit poc ici. Bon, c'est pas trop dérangeant. Voilà, vous avez tous les trucs à l'arrière en tout cas. Voilà, alors, je vais l'ouvrir tout de suite. Très clairement, la boîte, je vais la garder parce qu'elle est extrêmement belle. Alors, vous pouvez pas le voir ni le sentir, mais la boîte est en relief. Voilà, en fait, les écouteurs, en fait, là, les écouteurs sont en relief. Voilà, alors, hop, comment est-ce qu'elle s'ouvre? Oh. Très jolie. Ah, ouais, franchement, là, ça envoie du lourd. Ah, il rigole pas. Hein. Waouh, et leur slogan. Never settle. Je sais pas comment ça se dit. Never settle. Settle. Never settle. Je sais pas du tout comment ça se dit. Ah. On peut pas l'enlever de la boîte. On va essayer d'enlever cela. Hop. Si vous arrivez à lire. Fais le focus. Best buds for life. Est-ce que ça peut s'ouvrir ça? Ah. Il y a encore une deuxième boîte en dessous qu'on peut tirer avec une languette. Donc franchement, très très belle boîte. Franchement, super réussie la boîte. J'approuve à 100%. Hop. Alors, on va ouvrir le petit truc pour le moment. Alors attendez, qu'est-ce que ça peut bien être ça? Alors hop. Ah, je sais. Je pense que c'est genre des petits capuchons. D'échange simplement, il doit y en avoir 4. Alors vous avez peut-être pas bien à voir, mais ça fait 1, 2, 3, 4. Ok, il y en a 4. Il y a 4 capuchons d'échange en fait. Tout simplement, si vous les cassez, vous les perdez ou vous les salissez, ou voilà. Bref, hop, il y a une petite truc là, on va l'enlever. Hop, voilà. Ok, encore une petite boîte. Voilà, donc c'est le OnePlus Bullet V2, comme vous pouvez le voir ici. User manual, donc là c'est le manuel utilisateur tout simplement. Hop, et très clairement leur manuel utilisateur il est assez grand et ouais il est assez grand. Alors attendez, bon comme d'hab nous avons les petits boutons, donc
pour augmenter le son, pour mettre pause ou pour démarrer la vidéo, enfin pour remettre en marche, volume down, et nous avons le microphone, voilà. Une spécification, si vous y comprenez un petit peu, très clairement, moi je ne m'y connais pas super bien. Tout ce que je peux te dire, c'est que le câble il fait 1,25 m de long, c'est un connecteur 3,5 jack, voilà. Je saurais pas trop vous dire plus, je suis pas vraiment calé, on va dire, en écouteur. Et à l'arrière, c'est en temps chinois. Parce que oui, c'est un constructeur chinois, voilà. Et le petit slogan devant, c'est toujours très joli, hein, j'aime bien, le petit rouge comme ça. Ok. Alors voilà comment se présentent les écouteurs. En tout cas, à l'intérieur de la boîte. Alors, comment est-ce qu'on pourrait les enlever? Alors, déjà au toucher, je sais pas si c'est du métal, mais voilà, hop. Je sais pas du tout si c'est du métal, mais je dirais que oui. Mais ils sont assez lourds en fait. Très clairement, ils ont l'air assez lourds. Et ça a l'air d'être vraiment du métal. Donc franchement, voilà, très clairement, ça pète quoi, littéralement. Alors, right pour droite et left pour gauche, si je me trompe pas. Mon anglais est assez minime, donc je m'en rappellerai pas beaucoup. On va ouvrir ça. Hop, allez, décroche-toi. Hop. Alors, voilà. Alors, le câble fait 1,25 m, j'ai dit, hein. Ouais, 1,25 m. Très clairement, ça fait pas très très haut en taille, mais c'est largement suffisant en fait pour relier, on va dire, vos oreilles à votre poche ou à votre téléphone, quoi. Voilà. Ouais, ils sont très très beaux. Alors, j'essaie de vous montrer la finition, mais. Donc là, nous avons les boutons d'accès rapide. Alors, si tu pouvais faire le focus, s'il te plaît. Voilà, donc le plus, le bouton pause et le bouton baisser le volume. Voilà, je me rappelle plus. Et normalement, nous avons derrière, voilà, donc juste derrière le bouton, nous avons le microphone avec le petit logo OnePlus. Et après, c'est un câble, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, très clairement. Voilà. Donc voilà, c'est un petit unboxing sympatoche. Très clairement, OnePlus, comme d'habitude, on fait vraiment un super boulot pour ces deux écouteurs, tout simplement. Ils sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. Soit c'est une finition métal, soit c'est du vrai métal, parce que je n'arrive pas à trouver en fait, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du métal. Donc voilà, très clairement, ils sont très très beaux. Voilà. Bon bah, on passe tout de suite à l'outro et à mon petit test. Voilà, parce que je vous ai préparé un petit test. Je vais écouter une petite musique, une vidéo, etc. avec les écouteurs. Et je vais vous dire mon verdict par rapport à des écouteurs basiques blancs d'Apple. Voilà, parce que j'ai pris des écouteurs basiques d'Apple pour tester. Ceux les plus répandus, entre guillemets. Voilà tout. Donc on se retrouve tout de suite pour le test et l'outro. Voilà. À tout de suite les amis. Et donc quoi tout le monde, voilà, donc il y avait un test entre les deux écouteurs, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne partie, tout simplement. Entre ces écouteurs Apple. D'un iPhone 5C, si je me trompe, 5, 5, un iPhone SE, voilà. Et ces écouteurs OnePlus Bullet V2, très clairement, il y a une large différence de son. Voilà, très clairement, j'aime bien OnePlus, très clairement, mais je vais vous expliquer. Tout simplement parce que ces écouteurs en fait sont très très bons. Au niveau de tout, en fait, au niveau des basses, au niveau du son. Le son est clair, il n'y a aucun grésillement en fond, etc. Et très clairement, ça se sent. Par rapport à les écouteurs Apple, où bah, il n'y a pas en fait, de grésillement, mais les basses, en fait, on les sent moins. Parce qu'en fait, j'ai écouté plusieurs musiques, donc des musiques de basses extrêmes, tout simplement pour en trouver sur Internet, pour... Voilà. Et en gros, bah, il y avait des sons en fait, que j'entendais avec ces écouteurs, mais pas avec ceux d'Apple. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'entendait que la qualité est différente. Mais il y a un petit hic avec ces écouteurs, c'est que j'arrive toujours pas en fait à avoir une qualité excellente. Voilà, la qualité n'est pas excellente, qu'on se le dise très clairement. Ce sont des écouteurs, après tout, voilà, c'est pas un casque. La qualité n'est pas excellente, mais elle est largement bonne pour ce prix et pour en fait ce que vos téléphones peuvent supporter, tout simplement. Très clairement, elle est très bonne. Alors, elle est pas comme je me l'attendais. Je m'attendais un petit peu mieux, mais ce que il propose, c'est très très bon. Voilà. Alors, si vous voulez des écouteurs, vous avez un petit un OnePlus ou pas, hein, très clairement. Foncez dessus parce que les 20 euros, très clairement, c'est un achat, mais c'est assez vite remboursé, on va dire. Donc voilà.
Donc bah, je pense que j'ai tout fait, hein. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Vous avez mon lien d'affiliation en commentaire si vous voulez acheter un OnePlus, n'hésitez pas à passer par là. Ça vous offre tout simplement 20 € d'accessoires, et donc vous pouvez tout simplement vous acheter des écouteurs avec, ou alors une coque, voilà, comme vous voulez, très clairement. Voilà, donc merci de regarder cette petite vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo unboxing. Voilà, merci, et tchuss.